Un écran de téléphone cassé, c'est vite arrivé. Et surtout, c'est vite onéreux. La plupart des modèles qu'on répare en moyenne, on est autour d'une centaine d'euros. Un montant qui baissera dès le 1er janvier 2024. La réparation de l'écran sera en effet remboursée de 25 euros, au même titre qu'un problème technique. C'est le ministre de la Transition écologique qui nous l'annonce ce matin. C'est donc une aide de 25 euros qui sera possible pour tous les Français qui feront réparer leur smartphone chez des réparateurs agréés. On estime qu'il y a environ 1,5 million de réparations de smartphones par an. C'est un enjeu écologique parce que réparer au lieu de changer, c'est éviter d'aller prendre des ressources, des terres rares, émettre des émissions de CO2. Une aide qui vise un des problèmes les plus fréquents chez ce réparateur. Les interventions sur les écrans représentent 70% des réparations de téléphone. Forcément, ça tombe assez fréquemment. Donc c'est surtout écran et batterie les principales pannes. Comme les autres remboursements prévus au titre du bonus écologique, les 25 euros seront directement déduits de la facture. Forcément, c'est plutôt appréciable. Ça va dans le bon sens, ouais, effectivement. Mais après, à voir sur la durée ce que ça peut donner. Pour rappel, seuls les réparateurs labellisés Qualirépar peuvent appliquer le bonus écologique. Plusieurs sites internet comme celui-ci permettent de les identifier. Pour généraliser le recours à cette aide pour les téléphones ou les autres appareils électroniques concernés, le gouvernement prévoit d'accélérer l'octroi de ce label. Objectif, atteindre les 7500 enseignes dans le courant de l'année prochaine.